Marché pressé a commencé dans le dossier Haïti, Nations Unies et colonie Pakatan pour arriver sous chef gang et potentiel moun qui fait partie du système sanguinaire et mafia cap dirigé depuis quelque temps. Bonjour, bonsoir tout le monde. Une fois encore, c'est un plaisir à chaque fois une possibilité d'informer sur le gros réseau. Pas oublier, restez connecté ensemble avec nous, songez à abonner et puis activer la cloche de notification. À chaque fois que vous postez une nouvelle vidéo, ou après recevoir sans qu'elle saute, sans gratter tête. Nouvelle yon ap tombe yon après l'autre. Américain mette sous l'isla Jimmy Cherizier, Fednel Moncheri, ak plusieurs gros palto, Takou Lamotte, ak l'autre moun nan gouvernement qui met trafic zam, bal ak drog qui participe nan massacre la Saline. Département d'État déjà passé prematéli ak équipe tête Kalia. Déjà épinglé plusieurs sénateurs dans le dossier groupe Gangyo et jeudi à ces derniers jours, loi américaine pral voté pressé sous situation pays et ces sanctions yo cap commencé tomber dans le moment n'a pas lié à la États-Unis et département d'État commencé tracer exemple. Pourquoi aller rester ensemble avec nous plus détails dans bon gentil mamite genek ki gen temps bloqué côté Abinadel bon côté pal bloqué frontière pour empêcher pile neg ta sauvé kite pays d'Haïti et yo doit répondre coûte que coûte sous ak accusation yo mette sous do yo concernant sa ka fait en dans pays d'Haïti. L'ONU senti gon empressement, l'ONU pressé ou bien l'international si m'te ka dit comme ça pressé sous crise Haïti a. C'est droit me fait nous compte ça déjà. Camarade bon côté dans ses relations internationales li fait lui-même. Ça veut dire plus dans champal li dans domaine. Mettre ou mettre parler. Merci auditeur, merci auditrice du fait que nous allons faire cette chance là qui est extrêmement important pour nous. Depuis hier après-midi, grand pile bagaille qui changeait concernant dossier haïtien. En des Nations Unies par rapport à crise humanitaire, par rapport à choléra, par rapport à ce que pas gagne de l'eau, par rapport à ce que timon pas à l'école, par rapport à ce que yo vinn découvrir que Généus là son menteur, hier tout bas était sous contrôle, jodi a tout bagay était en bas. Donc et comme gagnent service de renseignement cubain, vénézuélien, dominicain et américain qui gagne preuve à 500% que gagne ancien ministre et que gen moun nan gouvernement ça là, le gouvernement Ariel là, même j'étais gen le gouvernement Jovenel là, même j'étais gen le gouvernement Matelia qui gen des liens étroits avec bandi et qui finançait bandi. Donc yo rend yo compte que gagnent des moun faut avancer sur yo, prendre des sanctions sur yo, annuler visa yo et arriver jusqu'à même saisir bien yo. La résolution après-midi a l'a clairement dit que yo pral prendre des sanctions et va le bloquer contre un ensemble de monde ici qui dans politique tant que dans élite économique là. Pendant ça brasser en dans Nations Unies. Gagné trois sénateurs américains qui yo même tout dit situation ça, il pas possible. Il pas possible puisque au niveau de Sam Dakabrele service de renseignement qui a parlé avec la commission des affaires étrangères au niveau du Sénat américain, ils ont rendu compte que gagné un paquet de l'obéi en Haïti, côté que gagné des monde, la classe politique là, t'as pour gagner des monde tout qui est dans le secteur des affaires, qui gagne des liens très étroits avec gang, qui a financé gang, qui voulait acheter des armes et munitions pour gang, qui fait kidnapping contre concurrent yo, qui fait un paquet l'obéi concernant véritablement Haïti. Nous ka comprendre que ça nous est là, c'est pas on blague lié parce que justement gagné yon obligation la kayo pour yo aider Haïti et pour yo capable justement bénéficier de sympathie communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis. Radio Omega. Sénateur américain Marco Rubio, qui sont républicains Floride, Bob Menendez, qui sont démocrates New Jersey, ils ont annoncé et
yo déposé yon loi qui est le Haiti Criminal Collusion Transparency Act of 2022. Yon loi bipartisane et bicamérale, pas parce qu'on semble de la l'homme de que li bipartisane et bicamérale là, ça veut dire que c'est pas une loi qui sorti côté que c'est démocrate seulement qui possède. Les sénateurs démocrates, les sénateurs républicains, qui dit la loi ça? Gagnent li bicaméral, ça veut dire dans deux chambres, yo, gen les congressmen tout qui déposent la loi et congressmen yo, yo républicains, tant que yo démocrate. Côté que yo pral obligé département d'état américain pour enquêter et pour fournir bay congrès un rapport annuel qui identifie relations qui existaient entre gangs criminels avec élite politique économique en Haïti. Radio Mega. Vous voyez ça? Par l'exiger président américain pour prendre sanctions sévères en vertu de loi, qui est la loi Magnitsky, sous responsabilité en matière de droits de l'homme pour tout le monde qui a identifié le rapport, qui a contact avec gangs criminels. La toute élite, quelle politique, quelle économique, qui a soutenu gang, qui a fait toute qualité l'obéi. Radio Omega. Le congrès, c'est un représentant démocrate en Floride, qui est le Val Demings, qui introduit législation ça, et qui a un paquet de siatu, côté que la Chambre représentante, un paquet de monde qui a supporté. Sénateur Timken dit, l'issue une parraine qui pote loi ça et qui mandait justement sénateur Menendez et sénateur Rubio pour y avancer vers question ça. Sénat et Chambre représentant yo réuni en congrès et yo pral promulguer loi ça. Une loi qui dit que non seulement en Haïti il y a 167 gangs criminels qui ont opéré depuis octobre 2021 qui a exercé son contrôle sur tout territoire et Banzayo, yo dit que yo identifié ça m'a cabrelé ça pigou là dedans tant que Genève allié tant que 400 Marozo et que yo dans toute qualité bagaille là dans toute qualité bagaille yo l'enlèvement yo l'en raquette yo l'en drogue konya yo l'en saisi gaz depuis que bagaille ça et commencer pour une dimension extraordinaire depuis la mort de Jovenel Moïse. Je dis tout que le constat que vous faites, c'est que le bureau au commissariat des Nations Unies pour le droit de l'homme, non? Il dit qu'il y a une augmentation de 333% de abus contre le droit de l'homme, de droit à la vie et à la sécurité qui fait en Haïti depuis deux ans. Et pas gain absolument rien qui fait par le gouvernement ça pour contrecarrer ça. Yo tout minimum, le fait année dernière, il y a 19 000 Haïtiens qui déplacés, qui quittent zone la Kayo. Et pendant l'année 2022, il y a tout la plaine, plus quoi de bouquet, plus la zone la boule, plus on bande de l'autre côté, il y a tout pour arriver, contrôler, qu'on quitte Haïtiens qui oublient de quitter la Kayo pour avancer. Yo tout en 2021, il y a 803 enlèvements qui étaient faits. Et gagne ressorti ça américain même qui victime en Haïti dans ça. La police pas fait absolument rien. Il dit que service de renseignement a de nombreuses preuves côté que yo rendu compte gagne des collisions entre gang yo avec élite économique et élite politique yo. Donc c'est ça qui fait que non seulement yo arrivé identifier que gagne moun nan police nationale là qui aider la police, qui a aidé gang yo, et c'est ça qui fait une impunité généralisée qui fait que pas gagné cap fait pour contrôler la crise actuelle là au point de vue sécurité. On dit que le 10 décembre 2020, Office of Foreign Asset Control, département justice, département du trésor américain, très clairement désigné Dimitri Cherizier, ancien directeur général ministère de l'Intérieur, Fidel Moncheri, ancien délégué départemental, là, Joseph Pierre-Richard Duplan, en vertu du Global Magnitsky Human Rights,
yo di ke moun sa yo, non seulement yo gen lien avec gang criminel armé yo, mais yo participé clairement dans massacre qui fait la Saline en novembre 2018. Radio Omega. À partir de tout constat ça que vous fait, nous demandé rapidement pour le comité relations étrangères Sénat, comité risque service renseignement Sénat, commission affaires étrangères chambre représentant et commission permanente renseignement chambre représentant pour les faire vite pour voir qui gens les capable faire loi ça passer rapidement pour être capable véritablement prendre sanction contre ça relé élite économique ça relé élite politique qui en Haïti qui mélangé dans toute qualité l'obéi dans toute qualité des ordres qu'a fait là en Haïti. Radio Omega. À partir de ce moment-là, qui ça qui rivé nous? Yo mandé secrétaire d'État américain en coordination avec toute agence de renseignement yo, département fédéraux qui concerné yo, pour yo identifier rapidement certains monde qui rapidement pral subir sanction rapidement qui pral frapper parce que justement yo pas ka quitter bagay la comme ça en Haïti. Radio Omega. Les moun sa yo que identifié yo après 30 jours il faut que le gouvernement américain prenne des sanctions rapidement contre eux et pour avancer, pour qu'on connaisse véritablement la qui ça va parler. Femme de que loi ça, que hier après-midi, n'est-ce pas poussé là, l'encolette gouvernement américain sous dossier Haïti, hein? Li, non seulement ou rendons compte que hier après-midi, moins de que Conseil de sécurité a obligé avancer votre lia sous jodia. OK? Mais il se trouve que le gouvernement certains pays commence à prendre des sanctions contre des citoyens qui vivent en Haïti, qui sont des Haïtiens, contre des citoyens haïtiens qui ont une nationalité américaine tout, et qui créent justement une certaine panique. Le milieu d'affaires ici. Gennèg qui te gen pour partir, pour aller en Floride, pour aller New York, yo rive, et puis yo rendu compte que l'immigration dit yo, alloué service consulat blanc américain, parce que visa yo, campé. Gennèg c'est avocat yo, yo obligé à brûler parce que compte en banque yo à l'étranger commence à frise. Et président Abinader qui fit à l'autre bois sous frontière, d'après Satisore et dit nous, il y a 76 gros potentats qui sous lisse qui paraît doit traverser frontière pour aller Saint-Domingue. Radio Omega. Il se trouve que sous demande de la France, communauté économique européenne a sorti la semaine ça, il y a une liste de monde qui a coupé visa Schengen. Mais nous a dit ben nous prenons trois voies. Non. Bonne deux ou déjà, gon troisième. En gen wa toujours? Gen wa toujours. Allez, bye bye bye, peuple wa. Wa toujours, on sait qui ça dit. Radio Omega. Depuis deux ans, Gafi a essayé de mettre pression sur Banque Centrale pour Banque Centrale faire travail, ça veut dire contrôler ce qu'a fait le système bancaire haïtien. Hier, sous bureau sénateur Rubio, d'après l'information qui est venue nous, et service de renseignement américain yo non seulement déposé sous bureau secrétaire d'état américain mais yo déposé le tout le bureau ministre justice et secrétaire d'état trésor pour dire très clairement que gon volume de transactions qui fait en Haïti depuis 2010 côté que banque centrale ferme gel liquidité que gon bon transfert d'argent qui fait vers des paradis fiscaux vers des comptes à l'étranger sans que pas d'aucune explication qui baille. Peut-être sonner sonnette d'alarme non pour dire banque centrale fait travail li. Mais malheureusement malgré tout ça ouais qu'a pété la compression Haïti gen jusqu'à 21 août 2023 pour corriger Kael. Mais malgré tout circulaire que banque centrale te prend pression élite économique ça performance ça fait que Baden
obligé de repousser de 3 mois, mesure pour te prendre, pour te gagner contrôle sur ce qui a passé là, le système bancaire. D'après l'information que nous gagnons, qui fait que bagala est compliqué, sous Michel Martelly, il y a un pile l'argent que certaines compagnies voyaient vers l'Amérique centrale et qui prennent vers les paradis fiscaux, la Caraïbe là et en Europe. Là, c'est l'équipe. Avec 25 stades là, cap travail. Comme 25 stades là, mais c'est si vous avez joué à Botel Tourné. Miaou! Comme ça finit, va dire. Et il y a un pile l'autre monde qui a brassé. Pression tellement maximale. La question a fait l'argent, la question de l'enquête, la question de compte n'est pas bloqué. Que semaine dernière, Michel Martelly, avec service marketing, monsieur Mexicain, équipe Solayo, avec si madame qui fait marketing pour lui, il était à Washington, il a marché dans le bureau plusieurs congressmen américains, plusieurs sénateurs américains, puis il était à Kijan, il était à faire, il a accepté que Michel Martelly tournait sur le monde. Pas oublié, moi, d'où lui déjà. Et même si elle n'a pas de courage pour le doli, ça nous donne l'embouste, c'est la vérité. Ça nous donne l'embouste, on ne va pas inventer, ou pas dans la Bible, on cherche pas genre, on veut l'écrit noir sous blanc. Avant les bonnets, Michel Martelly était en convocation, côté que clairement dit que l'affaire politique en Haïti a oublié. Parce que volume corruption qui fait sous gouvernement là, Radio Omega. Volume corruption qui fait sous gouvernement qu'elle mettait après yo, là, il n'y a pas de permettre que corruption ça, les chita, les cagrenes pays a, et l'empêcher pays à marcher. Service de renseignement économique et financier américain yo, dit que, et qui PHTK Matelia, le prend contrôle la douane en Haïti, il rentre non seulement la question de trafic ZAM, de vente d'armes, de vente munitions. Mais l'entrée n'a pas qu'à l'autre bagarre encore, tout à coup drogue, tout à coup raquette, tout à coup vente organe moun. Et il y a même arrivé, il y a demandé si que il y a pas le trafic, vente jeune tifi dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que les Américains, ils ne pas comprendre que depuis plus de 5 ans, il a envoyé des signaux très clairs by BRH pour que vous mettez l'ordre, l'ensemble de désordres que des banques commerciales ici ont fait, malgré que des banques commerciales ici ont payé pénalité à l'étranger, surtout aux États-Unis. Mais, ben là, pour une dimension telle que le commençait à inquiéter le monde. L'homme dit inquiéter le monde, t'avais dit que, au niveau de Barbade, au niveau de Grenade, au niveau de Turquen Gekos et de Providential, y'a rendu compte que gagner des comptes que des entreprises haïtiennes créées là, et qu'à partir de compte ça, y'a transféré de l'argent, soi-disant pour t'aller faire commande vers d'autres pays, commande qui va jamais arriver faite, et y'a un cas pire classique que y'a gagné, c'est le cas d'une entreprise en Haïti qui t'a commandé des milliers de tonnes viande à poisson en Argentine. Comme l'a quitté ici, Banque Centrale transféré, mais pour que j'aime mon poisson, pour que j'aime mon type limpoule, pour que j'aime gozé qui quitte l'Argentine, qui vient ici. Donc, on comprend que, l'ensanouillé là, aujourd'hui, côté que corruption cangrène tout système, non? Côté que Blanc a découvert que, gagnent de jeunes hommes d'affaires en Haïti, qui c'est des jeunes loups, qui est très proche des chefs de gang, qui est lié avec des chefs de gang, qui a avec eux, qui a une relation privilégiée avec eux. Donc, sanctions commencent à tomber, sanctions commencent à frapper fort. Le booster, nous toujours dit, c'est la vérité que nous dit. Ambassade américaine avec département d'État, pour raison par eux, il y a beaucoup véritablement quitté que l'issue publique. Il y a des gens qui ont des gens qui ont professeur Divalier, comme j'ai tout dit, qui ont fait des gens pour tourner la caillou.
gen des moun en Floride qui obligé à chercher avocat pour discuter des cailloux pour rendre compte qui ça oui. Donc malaise ça nous souhaiter que la privé l'on stade côté que li pral bon pour pays a si véritablement international là les chercher d'autres interlocuteurs qui vous permettent lui véritablement garder Haïti au l'autre champ. Pas oublier que nous t'ai dit la négociation qui fait entre président Maduro avec délégation américaine pour que pétrole Venezuela américain au cabre et de Venezuela exploiter pour que des équilibres qu'a fait là avec guerre Ukraine dans la affaire de pétrole russe ou autre etc. Toute transaction ça au cap fait toute négociation ça au cap fait ça cerise sous gâteau pour président Maduro c'est que l'immande président Biden et président Biden engagé à ça l'immande président Biden pour que l'argent peuple vénézuélien te longe bay peuple haïtien à savoir comme Petro-Caribéa les dit délégation nous konn kote lié nous konn volé yo et comme nous dit la caille nous toute transaction faite en dollars qui fait mal nous capable rentrer là-dedans nous capable aider jeune tant pris s'il plaît aider peuple vénézuélien joindre comme ça parce que c'est comme l'était fait peuple haïtien cadeau pour capable utiliser le bien le nom et pour peuple haïtien. Donc là où est la soirée là aujourd'hui hein, c'est pour capable comprendre que gayeyon ensemble de bagaille qu'a fait qui pour véritablement sorti là ça nous y est là Radio Omega parce que qui s'arrive nous c'est parce que société la permissivité la complicité la chercher la vie facile la voulait voler l'état qui fait que pays a jodi a le a parlé de lui sous scène internationale là depuis on dit Haïti il dit ah pour question de blanchiment on fait 80 points ça veut dire qui ça ça veut dire que Haïti jodi a li passé pour pays qui pi corrompu li passé pour pays qui gen plus blanchiment qu'a fait là-dedans le Caraïbes là l'Amérique centrale là.